attention, maintenant 20, et voici qui s'amène bon, quelque peu les moteurs. 10 secondes maintenant avant le départ. Vous verriez bien, attention, embarcation de Wayne Eagle de Jonathan Abbott. Et voilà, qui prend le départ, suivi du 11, Total Chaos, Steve Armstrong. On doit garder son couloir, de l'éterver jusqu'à la fin du premier tournant. C'est Jonathan Abbott qui est mon premier, toujours suivi de Steve Armstrong. Oui, Michel, ça a juste souvent au départ. Et là, Abbott a vraiment un avantage sur Armstrong avec un excellent départ. Armstrong, embarcation orange, là, c'est 11. Et suivi par l'embarcation de Dreamweaver de Kevin Smith qui est en troisième place. Et Big Boy Machine de Jean-Sébastien Boyer. Là, il y a une petite bataille qui se livre là, ici avec Léa Moussic. Donc, c'est Jonathan Abbott qui est premier. La jeune Léa a 15 ans et Daniel Evon, 53 ans. Deux reclus. Oui, deux reclus. Alors, Jonathan Abbott, mon premier. Armstrong qui suit. Et là, les deux jeunes reclus qui seront vraiment à la lutte, là. Grimax de Daniel Evon, suivi de Léa Moussic. Il faut applaudir quand même le talent de cette jeune femme qui est quand même pour le faire. Elle va se faire la main aujourd'hui. Je ne dirais pas tout de suite qu'elle a des couilles, mais ça sent bien. Hey, ça a surveillé des vitesses, Michel. On a vraiment un plan d'eau là, pour faire d'excellentes vitesses. Le premier tour, 96 km/h de moyenne pour Jonathan Abbott pour la classe 1.5 litres. C'est excellent. C'est rapide, ça, là. Oui. Alors, si ça dure comme ça toute la journée, on devrait avoir des courses absolument incroyables. Alors, toujours Jonathan Abbott, que vous voyez passer devant vous présentement. Mon premier est de distance absolument incroyable. Suivi par Armstrong. Pour ceux qui se demandent les types de moteurs dans ces bateaux, ce sont pour la plupart là, des 1500 cc, mais les Toyota Corolla des années 84. Ah oui! On va passer maintenant à la vacation 77 de Jean-Sébastien Boyer. Les Boy Machine et le reste du peloton avec Daniel Evon et Léa Moussic. Et c'est un peu une surprise. Je m'attendais là, à ce que Armstrong et Abbott là, se bagarrent dans cette course. Mais là, après son excellent départ, Abbott qui a même accentué son avance sur Armstrong et qui, cette année, n'est pas aussi, jusqu'à maintenant, n'est pas aussi rapide. L'an passé, il avait gagné le championnat, a eu un accident, donc ça a peut-être changé un peu. Là. 99 au deuxième tour, km/h pour le Flying Eagle. Incroyable, le Flying Eagle. Écoute, il augmente sensiblement au troisième tour sa vitesse. Il est au deuxième tour à 99,02 et 99,62. C'est assez dominant, merci. On voit l'écart avec Toto Chaos qui est à 95,8, donc 4 km/h plus rapide là, pour Jonathan Abbott. Est-ce qu'on veut ménager son moteur du côté de Steve Armstrong ou tout simplement on se dit oh, il y a peut-être des ajustements à faire? Peut-être pas ménager son moteur, mais maintenant que c'est une avance insurmontable, il ne va pas pousser vraiment, peut-être complètement à fond. Là. Et on voit une belle petite bataille pour la quatrième de Jean-Sébastien Boyer. Un jeune, 21 ans, et encore une fois Daniel Evon, là qui, lui, justement, vient passer en quatrième position. Il avait devancé Léa Moussic. Jean-Sébastien Boyer, embarcation orange sur le côté de l'intérieur. Donc, on confirme que Léa Moussic a une pénalité. Elle n'a pas passé deux fois devant le cadran avant le départ dans la liste des pénalités P, c'est un P4. Donc, de toute façon, je crois qu'elle est en dernière position, donc ça ne changera pas son classement. Alors, belle petite lutte ici entre Daniel Evon et Jean-Sébastien Boyer. Boyer qui est à l'intérieur et Evon à l'extérieur qui surpasse ici Boyer.
j'ai l'impression que Daniel Hébon veut se faire la main, là. Alors voilà, là où c'est qui est ici, on a... Voilà le gagnant de cette première qualification, Jonathan Abbott, qu'on peut applaudir. Deuxième, bien sûr, Steve Armstrong. Et sera suivi par le Dream Weaver de Kevin Smith. Ça serait intéressant de voir comment ça va se passer dans cette qualification de possibilité. Oui, moi, avoir allé Jonathan Abbott, ça me rappellerait Brendan Kennedy, peut-être un petit peu avoir peur. Ben, moi, j'ai hâte d'avoir le deuxième calibre de 1.5 litres, parce que là, on va comparer les temps de vitesse et oh là là, qu'on va nous poser des questions du côté de Brendan Kennedy. Alors voilà, les derniers à passer ici, c'est Daniel Hébon et le Dreamax, et donc on voit Jean-Sébastien Boyer. Et ça sera bien sûr à Léa Usyk sur Chaotic Dream. Et quand Léa, dans son embarcation blanche, va passer, rappelons que c'est une jeune de 15 ans. J'aimerais bien vous entendre l'applaudir chaleureusement, cette jeune. 15 ans et attention, ça sera à suivre au cours de ce week-end.